Mes chers concitoyens, nous sommes ici sur le chantier de la ville nouvelle. Nous sommes ici au cœur de la résidence sénéchale, ce nouveau quartier convivial, connecté, ce quartier qui va accueillir des personnes à mobilité réduite. C'est un peu entre la maison et la maison de retraite, l'occasion pour les personnes âgées de se retrouver en sécurité, de disposer d'un environnement nouveau, d'un environnement qui permettra des économies d'énergie, mais surtout d'être ensemble, de disposer du foyer Raymond Mahoudeau, du portage de repas à domicile, des agents du bien-être senior, bref, d'avoir une vie qui soit plus agréable et qui soit une vie au cœur de la ville. C'est l'engagement que nous avions pris, certes, cela a pris du temps, ce chantier en témoigne, mais nous avons d'autres projets, pas très loin de ces résidences sénéchales. Vous avez la résidence Orpea avec une maison de retraite de 90 lits qui permettra aux personnes victimes de la maladie d'Alzheimer de trouver un cadre, là encore, plus agréable, un cadre sécurisé. C'est cette ville nouvelle que nous souhaitons partager avec vous. Enfin, avec le portage du repas à domicile chez plus de 120 personnes, 120 de nos concitoyens, en plus des auxiliaires de vie qui interviennent au domicile des personnes âgées, la fibre optique va permettre demain, à domicile, de bénéficier de la téléconsultation. Voilà pourquoi protéger nos concitoyens, c'est choisir IRSON en commun.